Journée ici à Melbourne en Australie. Aujourd'hui on est lundi et puis je m'en vais au travail, je m'en vais faire mon stage. Fait que je vais vous montrer un peu comment ça marche mon stage, qu'est-ce qui se passe. Fait que dans le fond aujourd'hui je vais vraiment juste vous montrer une petite journée typique ici en Australie dans mon stage. Fait que allons-y, mais first things first, il faut que je me check, il faut que je me prépare. Fait que checksons-nous. Make-up time! Already now! Ok, donc là, je vais prendre un petit truc à manger real quick pour déjeuner. Et puis, il faut que je me fasse aussi un petit lunch real, real quick. Il faut que je parte ici dans genre 3 minutes. Calice. Ok, dans le fond, live, je vais être bien honnête. Il me reste plus vraiment de trucs à manger. Fait que je vais juste me faire exactement un salade que je me suis faite l'autre soir. Mais pas exactement parce que j'ai plus de concombre, fait que je vais faire ce qui me reste. Dans le fond, la morale de l'histoire, c'est que prends un paquet d'affaires en canne, t'es mets tout ensemble, puis c'est mangeable et c'est pas genre. Ben c'est ça que ça donne, c'est une petite salade rapido presto. Ben ça va être ça mon dîner d'aujourd'hui. Puis là, faut vraiment, vraiment que je parte parce que je suis en retard, je manque le train! Oh my god, les petits chiens! Oh! Ben, je vais vous montrer un peu c'est quoi l'itinéraire que je fais pour me rendre au travail. D'abord, faut que je me rende à la station de train, c'est à 10 minutes de marche. Donc, petite marche chantée matinale, c'est toujours bon, ben le fun. Puis en même temps, j'en profite pour déjeuner. Une petite bartende, j'ai pas eu le temps de manger en faisant le vlog, en faisant mon lunch. Il fait beau, il fait chaud, on aime ça! Wouhou! That's the train station right there. So, après 25 minutes de train, j'ai tout juste arrivé en ville à CBD, que ça s'appelle le Central Business District. Dans le fond, c'est downtown Melbourne. Alors, dans le fond, je vais prendre un tramway pour me rendre directement devant mon bureau. C'est comme 5 minutes, donc c'est vraiment rapide. That's the office. Voilà. Juste au premier étage en fond. Hell yeah, today is gonna be a beautiful day. Time to start this. On a good note, happy Monday. Wow. Croissant. Oh wait, do you remember the other things I taught you in French? Yeah. What are they? Bonjour. Amazing. I love it. I love it. Là, je suis venue dans le parc, juste à côté de mon travail, pour profiter un petit peu du gros soleil qu'il y a aujourd'hui. Puis, oh my god, ça fait tellement du bien. Puis là, je suis assise ici, dans ce petit parc, with my food. So, là, je sors du travail. Il est présentement 5h. Donc là, je vais aller rejoindre mon ami Robert et on va se rejoindre au spot classique. À chaque jour, on se rejoint tout le temps à Flinders Station. Ça, c'est là comme une des stations de train principal. Que le monde, ils font ici pour ne pas se faire voler leur vélo. What the fuck? Comment je fais pour trouver mon seul ami ici à Melbourne? C'est censé être juste celui-là. Trouvons-le. Voyez. On approche, on approche. Hello! Thank you.
Good morning. Il est présentement 7h22. Et puis là, dans le fond, la raison que je suis debout aussi tôt, c'est qu'il faut que je finisse d'éditer une vidéo pour la publier immédiatement parce qu'il est présentement 5h20 de l'après-midi à Montréal. Ce qui veut dire que c'est l'heure que je publie mes vidéos. Donc, juste pour que vous sachiez, à chaque fois que je publie des vidéos de ce temps-ci, faut tout le temps que je me réveille plus tôt pour être capable de publier à cause du décalage horaire et tout ça. Donc, regardez-vous comment c'est beau là. Wow. Oh my god, après une longue journée au travail, finalement, vous devinerez pas qu'est-ce qu'on est en train de manger. Des sushis. Sushi, hell yeah! Are you excited for the sushi? Oui! Attends, je suis de retour dans mon petit chez moi, dans mon petit appartement. Si on peut appeler ça un appartement. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer ça, c'était mon OOTD aujourd'hui. Je le trouvais quand même le fun. On dirait que ça faisait un petit changement, puis c'était cool. Et puis là, ben là, on a chillé un petit peu, Robert et moi, en ville, on s'est promenés. Dans le fond, quand on finit le travail, on se rejoint en ville. Puis on fait juste se mettre à se promener pour explorer la ville, explorer des coins qu'on n'a jamais visités. Puis ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'à chaque jour, à chaque fois qu'on sort du travail, c'est explorer un nouveau coin. Donc, tu sais, on fait pas ça tous les jours, mais on essaie de faire ça le plus souvent possible. Et puis, justement, pendant ces longues marches-là qu'on fait, on a commencé à prendre l'habitude à se poser des questions sur la vie et à réfléchir un peu sur plusieurs questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Donc on dirait que là en ce moment je vais pas donner trop de détails, mais ça nous a amené à penser à une idée de vidéo qu'il va y avoir très prochainement sur ma chaîne. En fait, je sais pas si vous allez la voir avant ou après ce vlog, fort probablement après, mais je suis très excitée à l'idée de vous montrer ça. C'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait auparavant. Et ça a un peu rapport à ce que je parlais dans l'une de mes dernières vidéos. Donc comme vous savez, dans la vidéo, j'explique un peu les raisons qui m'ont amené ici en Australie. Donc le nom de la vidéo, c'est les vraies raisons que je suis en Australie ou quelque chose comme ça. Donc dans cette vidéo-là, je vous explique à quel point il y a eu plusieurs raisons qui m'ont amené ici. Puis à quel point je suis motivée à justement en apprendre plus sur moi-même et juste grandir en tant que personne. Je pense vraiment que ça va être cool à filmer, puis je suis vraiment excitée, on la filme ce samedi, aujourd'hui on est mardi. Donc je suis bien excitée à l'idée de vous montrer ça. En tout cas, c'est juste une petite parenthèse, j'avais bien le goût de vous parler de ça rapidement. Et puis live, il est 10h20 le soir, ok. Puis là je me demande, parce que j'ai quand même de l'énergie, donc est-ce que je devrais aller au gym ou juste chiller dans mon lit et peut-être lire? Là, c'est une décision assez difficile à prendre. Est-ce que je reste une grosse patate ou est-ce que je fais ma healthy girl? Allons au gym! Puis là, ben, je sors de la douche. Ça fait du bien, une petite session de gym, de s'entraîner. Ça fait du bien de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. J'ai pas filmé mon workout au complet parce que j'ai manqué de place sur ma carte mémoire. Donc, à un certain moment donné, je savais pas, mais ça filmait plus.
Donc j'ai pas pu filmer au complet, mais bah, ça va avoir un peu de tout en général. Peut-être que vous remarquerez que les exercices que je faisais étaient un peu différents, je sais pas. Mais dans le fond, c'est juste parce que puisque je faisais du cheer avant, je sais comment m'entraîner de cette manière-là. Donc j'ai juste toujours continué à faire les exercices que je faisais dans le temps. Mais là, dans le fond, j'allais me coucher, il est déjà 00h30. Donc c'est le temps d'aller faire des gros dodo. Puis demain, il y a une grosse aventure, ça va être tellement nice, fait que, see you tomorrow! Oh.